Après avoir visité Buenos Aires, récupéré notre voiture, de l'argent pour tout le voyage et découvert une partie de la province de Salta, aujourd'hui, c'est le départ pour une semaine d'aventure dans les déserts d'Argentine. C'est parti! Le plus haut, c'est un Abra. Et l'altitude est 40 4668 mètres d'altitude. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on est? Où va-t-on? Je vous explique tout. En gros, après avoir dormi à San Antonio de los Cobres la veille, on part maintenant en excursion de 3 jours à Tolar Grande pour y découvrir les environs accompagnés de 2 guides, Mario et Renato. On est donc répartis dans 2 4x4 et les guides communiquent entre eux via des talkie-walkie. Et là, après un virage à la sortie du désert de sel, on arrive dans un désert encore différent. C'est vraiment incroyable. J'avais pas cherché à regarder en détail à quoi ressemblerait Tolar Grande pour en avoir vraiment la surprise. Bah quelle surprise! C'est un endroit tellement sublime. Aujourd'hui, on a fait l'excursion, enfin on a fait le début de l'excursion depuis San Antonio de los Cobres à Tolar Grande. Franchement, incroyable.
le guide, trop gentil. On a parlé grave espagnol, c'était trop bien, j'étais trop contente. Les paysages, j'en parle même pas, franchement, les images parleront d'elles-mêmes, mais pff, folie, folie. On a vu plein d'animaux, je m'attendais pas à voir autant d'animaux. Vraiment trop bien de A à Z, c'est incroyable de vivre ça. C'est hors du temps, c'est hors du monde actuel, enfin je sais pas, et c'est trop stylé, tout le monde est trop gentil et on voit des trucs de ouf. Donc j'ai trop hâte demain. On a soupa. Ah, ça y est, il y a de la wifi, hein. Ça textote là. Oh, donne des nouvelles à la famille. Donne des nouvelles. Hein. Si c'est Noël. Pollo con ensalada. C'est trop Pollo con arroz. Pollo con arroz, ensalada. Nada. Para Manu qui est enferma. Rhubarbe. C'est rhubarbe, j'aime bien sinon. Non, je crois que c'est rhubarbe. C'est pas vrai. Tu kiffes. C'est une odeur de corps. T'aimes beaucoup, tu vois. C'est une odeur. C'est le. C'est de la fille. C'est ta fille. Je sais pas. Ah bon, tu manges, t'es poli, hein. Je suis obligée. Moi, je sais pas. Le dortoir des filles, il est trop bien. C'est une ambiance hyper rouge. Quand on rentre, c'est trop joli. Comme ça, là. Et franchement, on a trop bien dormi. Les gens étaient. Enfin, les femmes étaient hyper calmes. C'est des italiennes. Le truc est confort. Donc, trop bien. Moi, je m'attendais à un vieux refuge pas très agréable et voilà, mi cama, la cama des Arlene. Il est quoi, 7h30? Je suis en haut d'une petite montagne, face à cette beauté. En face là-bas, c'est la cordillère des Andes. Il y a une grosse montagne trop stylée, il y a des montagnes enneigées. Trop beau, j'ai envie de sauter de petit sommet en petit sommet et genre, c'est incroyable, j'aime trop être solo dans des endroits comme ça, là le matin surtout ça me donne plein d'énergie, je ressens fort le paysage parce que jusqu'à maintenant on enchaînait quand même assez vite et le programme du début était serré, du coup on n'avait pas forcément le temps de se poser face au paysage, moi j'ai besoin de temps pour ressentir le truc, c'est trop beau, vraiment, j'adore. Se podría hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te estuviera de frente, la mente te la volaría de noche a día, de noche a día. You know I'm just a flight away. If you wanna, you could take a private plane. A kilómetros estamos conectando. Me prendes aunque no me estés tocando. You know I got a lot to say. All these voices in the background of my brain. Y me dicen todo lo que estás pensando. Me imagino lo que ya estás maquinando. ¿Quién lo diría? Que se podría hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te talk when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe. On repeat, ¿quién lo diría? ¿Qué se
voilà. On a monté une montagne de sable. Voilà. On est monté tout en haut. C'était vraiment aride, aride. Non, abrupt. En haut, une vue. Une vue, mais incroyable, vraiment. J'ai fait voler le drone. Franchement, j'étais stressée. Parce que je l'ai fait partir à fond au-dessus du vide. Mais les vues, elles sont incroyables. Franchement, c'était trop beau. Et après, il nous a fait courir, descendre dans le sable. C'est complètement différent de. Brasil, tu vois. De marcher dans le paysage. Au lieu d'être juste en voiture, on est vraiment dedans. Mais franchement, c'est incroyable. On se trouve dans le Salar d'Arizaro. C'est un des plus grands d'Argentine avec une superficie de 1600 km². On découvre ici le cône d'Arita, une mystérieuse pyramide naturelle située au milieu du Salar, à 70 km de Tolar Grande. C'est une pyramide plutôt étrange. Un cône presque parfait s'élevant au milieu d'une étendue de sel à 3590 mètres d'altitude. Son origine n'est pas certaine, mais il est supposé qu'il s'agit d'un petit volcan n'ayant pas été assez fort pour exploser. D'ailleurs, il est souvent appelé volcan flottant en raison de l'illusion d'optique que l'on peut avoir en le voyant de loin. Into future, I'm just thinking that you should be the one who can change me by steer. So clean but so serious, everything is mysterious. Steaming cold, steaming cold, steaming cold. And it's lake of your dreams. And it's look like it feels. I'm so lucky to see it again. So clean but so serious. Everything is mysterious. Steaming cold, steaming cold, steaming cold. Je suis dans le sauna, vraiment. Estoy en la... Comment il s'appelle ça? Camioneta? El vehículo? On rentre du coup de Tolar Grande. On retourne à San Antonio de los Cobres. Journée d'hier, c'était incroyable. Franchement, voir los ojos dans les salars, là, c'était un truc de fou. Et en plus, dans l'expédition, on a vraiment le temps d'être sur place, de regarder. Il nous dit, bah là, vous avez le temps libre, en gros, vous avez une demi-heure, vous pouvez marcher où vous voulez, prendre des photos, etc. Il nous a fait passer aussi dans une grotte. C'était trop. Vraiment, il nous dit, venez, on va dans la grotta, je sais plus si on dit grotta, mais del oso, de l'ours. Il nous a fait ramper par terre comme si on était des limaces, quoi. Et c'était grave drôle, en vrai. Moi, je criais comme une ouf, j'étais là, tengo miedo. Je cuis comme un hot dog, là, dans la voiture. J'ai l'impression d'être un chien qu'on a laissé à l'intérieur avec un mode, avec son maître. Ramenez-moi de l'eau, mais bon, ça va. Du coup, je blablate. Voilà la vue de la voiture. C'est El Pueblo, je sais plus comment il s'appelle. Mais entre les montagnes là-bas où il y a San Antonio de los Cobres et de l'autre côté, bah, Tolar Grande par là-bas, je crois. Eux, ils sont dans la cabane ici. Si le nez et le front, et des petits ronds, et tu frottes pas fort, sinon ça va t'irriter. Ah ouais, je peux pas frotter fort. Tu vois, genre une pression comme ça à peu près. Okay, et tu roules et tu bouges doucement. Et tu essaies vraiment de venir chercher toutes les zones
tous les possibles. Points, la zone T. Toutes les zones rugueuses, tu vois. Tous tes problèmes, tu viens les enlever, en fait. Tu viens les rogner. Comme si tu voulais les faire disparaître à travers cette crème. Ils sont exfoliés. Disparition, tu vois. Et petit à petit, tu vas te sentir plus léger. Comme si une douceur en toi venait arriver. En fait, la douceur de ta peau, ça va un peu être comme la douceur de ton âme. La douceur de ton cœur, elle ressort, Alex. C'est ça. Est-ce que tu te sens mieux? Ouais, je sens mieux. Ouais. Tu te sens mieux? Ben, si tu te sens un peu mieux, tu peux même prendre un tout petit peu d'eau, tu vois, hop, tac. Comme ça, et ben, tu vois, au bout d'un moment, ça, sinon, il y a plus de, c'est plus humide, tu vois, ça glisse plus. Et hop, tu continues pour être encore plus doux. Pour avoir le cœur d'un petit ours, un petit nounours. Un osso. Un petit osso qui vient et qui s'en fout un peu de tout. Voilà, et puis après on va faire un petit masque. Hein, parce que sinon, si tu masques pas ta fausse personnalité, si tu peux pas retirer ton masque, comment vas-tu être toi-même, Alex? Il faut un masque. Il faut un masque en plus. Il te faut un masque. Ouais, on est d'accord. Ok, masque. Go pour un masque. Go pour un masque. Après, faut payer. Hein. Ah oui? Ah bon? Alors, comment tu te sens, mon grand? Ça va? Wow! Attends, fais voir! Mais putain! Oh, t'es beau gosse, hein! Ouais. Touche! Soigne. Là, comme ça! C'est ça? Ouais. C'est la police? Ça peut être bête. Viens, vas-y, fais voir. Oh! Les pores sont apparents, mais ils sont vides. Y a plus rien. Putain! C'est beau? Ouais. Donc là, il est 23h. Manu et Alex, ils sont là-bas dans le noir, là. Ils sont en train d'attendre un kiosque. Et en fait, c'est des maisons où les gens vendent par la fenêtre des trucs. Ils ont comme une épicerie, mais dans le salon, on va dire. Et là, bah, à 23h, ils vendent des trucs. Et il faut commander à la fenêtre. Il y a une grille, donc tu passes les bouteilles d'eau entre la grille et payer par la fenêtre. Voilà, c'est très marrant. Ouais, ça va. Objectif, faire 300 km dans le désert pour rejoindre notre prochaine destination. La route est compliquée et perdue dans les montagnes. Au bout de 3 heures,